place ce cadre dans le trou. Et on s'assure bien que ce soit bien raccord partout. Et là, il est bon. Ensuite, on va faire les marquages. Il faut marquer ces 6 trous. Idéalement, on prendrait un feutre. Ici, ça rentre. Mais c'est pas assez profond. Donc ici, je ne peux pas. Donc je vais mettre simplement le marquage avec cet outil. Donc je mets la mèche, ici c'est une mèche de 6, il en recommande 7, mais je n'ai pas de 7 sous la main. Donc l'avantage quand on prend le poinçon, c'est que vous avez un petit trou dans lequel vous pouvez directement fixer la petite mèche pour faire le trou. Ok, on est près de la fin, donc on place d'abord l'encadrement intérieur. Ensuite, l'extérieur. Ensuite, on utilise ces petites vis. À la main, sinon on risque de casser le pas de vis. Pour terminer, on va couper l'excédent des vis en plastique. Ce n'est pas bien étonnant d'avoir beaucoup de sciure parce que quand on voit ici l'épaisseur de ce bois, un bois très ancien, et on admirera d'ailleurs la finition de la porte ici, cette partie là a été rabotée, ça c'est du très très bon bois, très solide. Ici on reconnaît la brûlure liée à la pièce de métal. Alors ici c'est un exemple typique d'une chose qui est très simple sur le papier, mais qui en réalité peut parfois poser quelques difficultés. J'aurais par exemple pu faire l'économie du ponçage si j'avais bien fait les trous initiaux à la perceuse directement à l'endroit indiqué sur le gabarit. Donc c'est une erreur que vous n'aurez pas à faire. Il n'empêche qu'on a aussi eu la mauvaise surprise d'avoir un peu de métal dans la porte, ce qui nous a conduit à utiliser la meuleuse pour enlever ce petit bout de métal. Donc voilà, c'est très simple sur le papier, mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça dans la vraie vie. C'est pour ça que j'ai ma chaîne, pour vous faire des économies.
Ici, le petit clapet de sécurité que l'on met si l'on part. Et il ne nous restera plus qu'à apprendre au chien d'utiliser cette ouverture. Et avant de vous quitter, laissez-moi juste vous montrer très brièvement ici de loin l'atrium dans lequel j'ai récemment enduit les murs en parpaing. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette vidéo ou bien évidemment aussi la playlist pour les chiens. Donc je vous retrouve très bientôt sur Happy Hour TV 1.